Bonjour, j'ouvre ce nouveau vlog, nous sommes samedi après-midi. Eric est en vacances depuis hier soir. J'ai essayé de m'ajuster sur lui pour un petit peu ralentir mon rythme. Et là, on va sur Chartres. C'est vrai que Chartres, c'est à côté de chez nous, on aime bien se balader. Il fait beau, enfin il faisait beau, ça commence un petit peu à descendre. Et en fait, il y a peut-être une semaine de ça, j'ai reçu un message sur Instagram d'une bijouterie qui a regardé mes vlogs et qui m'invitait en fait à aller voir un petit peu leurs bijoux. Donc je vais y aller. Je l'ai pas prévenu, elle m'avait dit vous passez quand vous voulez. Et également, on va aller se prendre un petit goûter. Ah, c'est ça que je voulais repérer en amont. Voir s'il y avait genre des petits salons de thé, des trucs un peu sympas. Mais sinon, ce sera la découverte. Et puis, voilà. On est dans le parking souterrain. J'ai jamais vu autant de monde. Ça n'avance plus. Je n'avais pas sorti ma doudoune pensant qu'il faisait doux, quoi. Bon, on s'est posé dans un petit café. Le cocktail, il est magnifique. Il y a du concombre dedans. Par contre, je suis deg, j'ai l'impression qu'il veut et j'ai pas de capuche, j'ai rien. Bon, j'ai laissé Eric qui est parti à la Fnac. Et regardez, c'est le déluge. J'ai pas de capuche, j'ai rien. Voilà. Donc j'attends, là, je suis chez Calzedonia et je crois que la boutique. Le bijouterie doit être par là-bas. J'ai atterri chez Sephora, je me suis pris une saucée de folie. Ça tombe bien parce que j'ai plus d'eyeliner. Et bah c'est ici, Lizaine, bijoutier horloger. Je suis imprégnée des lieux. Il y a des petites bagues hyper mignonnes. Elles sont très très belles. Il y a des modèles hyper sympas aussi en boucle d'oreille, il y a des earcuffs argentés. Ah bah voilà, ça sera mieux comme ça. Il y a plein de présentoirs. M'expliquer que la devanture allait un petit peu changer, me semble. Au niveau des bijoux là, qui sont en contrebas, c'est quoi en fait la différence? Zarovski. Ah voilà, c'est ça. Plaqué or. Zarovski, plaqué or. Et argent. Et argent, ok. Lithothérapie, fantaisie et acier. Et je dois avouer en plus que les prix. Ça suffit, elle. Si vous êtes sur Chartres ou environ, Lizaine, c'est en face de Superdry. Oh, il est beau celui-ci. Hein. Pouh, 69 euros en plaqué or. Le petit bracelet, là. Cet été, on cherche une vendeuse, ouais. Il est très très beau. Ah, il cherche une vendeuse. Voilà. Ouais, c'est parce qu'on a notre super vendeuse. Elle va partir en vacances, là. Et là, c'est la partie... argent. Là, c'est argent, ouais. Argent massif, 905. Il m'a montré en fait, ouais, parce qu'il y a également des vêtements, des chaussures. Là, on a un pull en alpaga. On commence à faire une gamme de chaussures. La vendeuse a choisi une paire de chaussures. Marion, on a choisi. Et puis, bon bah c'était vraiment très très chouette. Ils m'ont offert un collier, je ne l'ai pas essayé justement, j'ai choisi. Je l'ai serré à la maison. Il y a de magnifiques références, franchement n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes dans le coin. J'ai flashé sur tellement de choses. Et en partant je lui ai demandé si elle connaissait genre un salon de thé ou un endroit où il y avait des petites couleurs ou des gourmandises, des choses comme ça. Elle m'a dit oui, tu vas... le très superbe. Apparemment, je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait gagné des concours. Enfin, elle fait des trucs superbes. C'est bon, c'est au bout de la ville. Quoi? Bah, le très superbe, non, c'est sûr. Mais c'est pas après, c'est pas la poste qu'on pensait, c'est l'autre poste. Ah, c'est peut-être l'autre poste. C'est l'autre poste. Non, ça, non mais les pavés, c'est pas possible. Allez, bah là, viens. Je vais me niquer les chevilles là. Elle est partie. Et la saucée, vous avez vu? Tout à l'heure. Ah, on est de l'autre côté. Ouais, donc contente, très 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 contente. Regardez cette petite impasse avec la cathédrale en fond. Que se passe-t-il? Il y a peut-être un début de manifestation, non? Qu'est-ce qu'il y a? On accélère, il y a des pavés, bébé, je vais tomber, moi. Ouais, ça glisse, il y a de la flotte partout, j'ai les cheveux qui gonflent, tu te rends pas compte? Oh, il râle, ce que je voulais montrer, c'est joli, ça. La reliure, oui, il pleut, allez, go. Ok. Ah, il est pas content. Non, il pipille, il est de mauvaise humeur. Le garage, c'est là où on était là tout à l'heure. Le cocktail que j'ai bu, oh, excellent, avec des concombres et tout. Bah, vous l'avez vu, tout ce que j'aime. Nous y sommes là, le très superbe. C'est bon. C'était hyper bon. Donc je sais pas si vous avez entendu, mais en fait c'est vegan. Donc Eric a mangé, il y avait donc son flan plus cookie ultra, sans savoir que c'était vegan. Donc il n'y avait pas d'œuf, il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas tout ça. Et il m'a dit, je crois que c'est le meilleur, oui, c'est le meilleur flan que j'ai mangé de ma vie. Du coup on a acheté 2-3 petits gâteaux en plus.
vient de rentrer. Et c'est samedi soir. Sushi. C'est Eric qui me dit ça, te dit sushi. Parce que lui, il a son samedi soir, il a son, sa course. J'ai l'impression d'avoir passé ma journée sous la flotte. J'ai froid dans le bas du dos, un rideau de flotte. J'ai qu'une envie, c'est de me mettre à l'aise, couverture et regarder ma série. Série, je vais vous expliquer d'ailleurs après. On regarde ensemble le pochon. Donc c'est un bijou Bene Bene Paris. Elle m'a dit que c'était bien de l'argent massif, hein, il me semble, tu me diras dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça. Donc adorable, voilà, elle me l'a offert. Enfin, ils me l'ont offert. Hein. Le pochon. Forcément, il est réglable. Le peu que j'ai vu, il me plaît énormément. Je peux le mettre un peu plus court et un peu plus long. Je crois que là, pour moi, c'est la longueur idéale. Je suis très contente. J'ai repéré plein de choses là-bas. Des petites boucles d'oreilles. J'ai vu une bague aussi sublime. Un bracelet. Trois petites bandes dorées. Enfin, superbe. Très élégant. Donc, j'ai trouvé chez Sephora un eyeliner noir. C'est The Real Extreme Precision Liner. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose. En tout cas, moi, je lui disais que mes eyeliners ne duraient pas longtemps, ils s'asséchaient, enfin bref, c'était un peu décevant. Elle me dit jamais, jamais, jamais la tête en haut. Toujours la tête en bas ou couchée. Parce que forcément, effectivement, après, la mine feutre va venir assécher et puis la durée de vie est beaucoup plus courte. Donc, je vais faire cette technique et je me suis pris, c'était pas vraiment prévu, j'avoue, un fond de teint. C'est le Dior Backstage. Dior Backstage, c'est assez connu. C'est pas hyper couvrant, mais forcément c'est modulable. On a testé sur moi. C'est le Face and Body Foundation. Donc ça veut dire que tu viens camoufler sur le corps peut-être des tatouages, genre de choses. Pourtant il me paraît pas si épais. J'ai pris le 1,5N. J'adore les packaging. Et pareil, demain matin, je vais me l'essayer. Je vais le retirer. Oh, il est magnifique. Le détail de la maille. Voilà. Ce soir, c'est sushi pour nous deux. Là, Eric, il est en warm-up, il est en train de faire son échauffement. Et moi, je vais regarder ma série que j'ai commencée. C'est ce que je regarde. Alors, c'est la série, la fameuse série Grey's Anatomy. Il y a 19 saisons. Et en fait, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais dû regarder comme ça, par-ci, par-là, mais je ne l'ai jamais regardé de A à Z. Et je sais pas, là, je me suis chauffée. Je regarde. Je suis qu'à la saison 1, 19 saisons. Quand même, cette série a commencé en 2005. Et je crois qu'elle s'est arrêtée en 2022 ou 2023. C'est fou. Voilà, donc je suis là-dessus. Je pense que ça va me tenir pendant... Ouf. Avant que je n'oublie, parce que ça serait dommage que ça parte vite sans que je vous montre. Quoi que vous les avez vus, les cookies. On a pris deux cookies qui vont être mis, il a dit 30 secondes au micro-ondes. Et la merveille qui est un peu défoncée. Oh non, 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 t'as déjà fini tes croquettes, toi. Lui autre, il débarque. Ça fait une semaine, j'ai remarqué ça. Les cerisiers fleurs ont éclos. Alors que normalement, c'est en avril. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il n'y avait plus de sushis. Il n'y avait plus de sushis. Non. Je vais manger des céréales. Je plaisante, évidemment. T'aimes pas le wakame, toi? Le quoi? Le wakame. Je sais même pas ce que c'est qu'un wakame. C'est les algues. Ah. Et tu sais que la dame... Pourquoi tu me dis pas t'aimes pas les algues, alors? Bah parce que ça s'appelle wakame. Elle m'a dit c'est plein d'oméga 3, ça. C'est très bon pour nettoyer l'intérieur. Ouais. Et le gingembre non plus. J'en ai pris deux, comme ça. Oh. Gingembre, t'en veux pas non plus. Ça, et puis un peu de celui-ci. Si non, c'est bon, c'est pour moi tout ça. Bah oui. Parfait. C'est dimanche, mon petit loup. Eh oui. Oh non, je craque. Je suis en train de m'avancer depuis ce matin sur le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Eh oui. Et Jack, vraiment, c'est sa place. On va dire depuis un bon mois, les trois quarts du temps, il est là. Eh oui. Nous sommes donc dimanche, comme je vous le disais. Je me suis pas lavé les cheveux, hein, vu que demain matin, j'ai un rendez-vous à 10h professionnel en extérieur. J'attends le dernier moment ce soir ou demain pour me les laver. D'ailleurs, Eric va venir avec moi, vu qu'il est en vacances. On va en profiter pour aller manger, je pense, quelque part, se balader, même si le temps d'aujourd'hui sera, je pense, le même qu'hier et le même que demain, à savoir de la pluie à fond. Ouais, donc c'est un rendez-vous assez important pour la boxe. Boxe de mars, d'ailleurs, qui en commande jusqu'au 10 mars tout ce qui brille. Elle va être top. C'est le moment de la commander. Hein. Donc ce matin, j'ai testé l'eyeliner. Il est bien.
Il est modulable, donc j'ai fait un petit trait, il se travaille facilement. Bon, après, il faut voir sur le long terme, mais déjà, ça me plaît. J'ai mis également le fond de teint, même si c'est dimanche, j'en ai mis très peu. Mais le peu que j'ai mis me plaît. Il a un petit côté lumineux, il est hydratant, il ne tiraille pas. Il a une petite odeur qui me plaît bien. Donc, plutôt contente, là, en tout cas. Hier ou avant-hier, j'ai plus la notion du temps, je suis passée à la pharmacie parce que je voulais voir avec eux s'ils pouvaient me donner un... Je suis, mais quand je vous dis épuisée, c'est-à-dire que je me réveille, c'est pas normal, hein, j'ai l'impression d'avoir fait une nuit correcte et je suis fatiguée. Je suis déjà fatiguée au réveil, plus de carburant. Donc, pas cool et je vous explique pas le reste de la journée. Je fais que bailler, je lutte. Ils m'ont dit, enfin, elle m'a donné ça, elle m'a dit, vous pouvez tester. Je sais pas si vous connaissez, Astéfort, épuisement, énergie immédiate, récupération physique et mentale, 3 par jour. J'avoue que j'ai pas encore commencé. Je vais peut-être pas faire ça demain matin, parce que si je ferai ça cette semaine. Je vais étudier la chose, mais il me semble qu'il y a vitamine B6, ouais, c'est ça. Il y a pas mal de choses comme ça, naturelles, plantes, donc pourquoi pas. Je vous pose, ça sera quand même plus simple. Ouais, donc ce qui va se passer, c'est qu'habituellement, moi, le montage des vlogs du week-end, bah, je le fais lundi, tranquillement. Et là, vu que demain, bah, je ne suis pas là, je vais le faire maintenant. Et bah, vous l'aurez compris, je pense. Ça veut dire qu'il va falloir que j'arrête ce vlog. Mais comme il est fort probable qu'on fasse comme on aime faire avec Eric, les petites balades, découvrir des petits lieux sympas, des villes pas excessivement loin de la maison non plus. Mais on aime bien vloguer ce genre de choses. Je pense que dans les prochains vlogs, il va se passer pas mal de trucs. Je vais vloguer. J'espère en tout cas que ça vous aura quand même plu. Et on se retrouve mercredi pour la suite des aventures. Voilà. Ciao.